Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue YouTube, je suis toujours en live et vous êtes encore très nombreux. Il est 23h18, quelque chose comme ça, à quelques secondes près, évidemment, hors taxe. Et nous sommes là pour enregistrer tous ensemble l'épisode 7 de notre aventure sur Alien qui s'est passé à trois quarts dans un casier. Voilà, mais c'est un casier que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur. Voilà, on est reparti dans l'ambiance. Mettez un casque ou des écouteurs, éteignez les lumières, jouez le jeu, ça va swinguer. Let's go, on est de retour là où on s'était arrêté, c'est-à-dire dans le casier, ok? C'est parti! Et il paraît... Non, c'est pas possible. Ok, et il paraît, c'est ce que le chat m'a dit pendant l'interlude, n'est-ce pas, que plus on se cache dans un casier, plus l'alien check Morley, le casier. Morley. Bah, pour moi, c'est celui où il n'y a pas la petite pastille rouge, si on est intelligent, n'est-ce pas. Pardon. Ok. Un petit peu de ketchup. Oh putain, c'est le même ketchup qu'on a. C'est incroyable. C'est pas possible. Je vous sers quelque chose ? C'est pas possible. Monsieur, connaissez-vous NordVPN ? Facile, hein. Il est là. Il est sur mon front. C'est pas possible. Elle est où l'issue ici, là? L'issue de ses morts. Ouais. Bonsoir.
Oh, c'est bien ça. Oh, ça, je veux des trucs comme ça, moi. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Hors service, c'est bien dommage. Quelqu'un là-dedans? Oh putain, je viens de faire quoi? Putain, les bruits que ça fait quand tu rentres dans un bordel, frérot! T'avances bien là, continue comme ça, ma mère. Merci, hein, papa, hein. Il y avait bien la A29, hein. Ok. C'est 21 à 26. Ah non, réouvrez. Ok, donc c'est la pièce là-haut en face. Oh, c'est horrible cette ambiance, les gars, wesh, on a l'impression d'être... d'être sous le lit d'un cadavre, mais pas mort encore. Faut vraiment qu'il parte, ce monsieur. Ça me met dans la sauce si j'active le système d'alarme? Je peux faire plus de bruit si j'active le système d'alarme, les potes? En vrai?
C'est quoi ce bruit, les gars? Ah. Ah ouais, non. Vaut mieux activer les purificateurs d'air, ok. Voilà, si on n'active pas les purificateurs d'air, ça fait ça. Vous l'aurez compris. Les gars, quelqu'un connaît un alien? Ça fait quelque chose ou pas la fumée hein? Vas-y, je vais save. Hein. Ok. Là, je suis au bon endroit, mon ref. Enfoiré! Vous saviez que cette chose était ici! Non, c'est faux. Je pensais qu'elle pouvait être la nuance. Vous avez le code? 1702, c'est bon? Maintenant, on descend au dispensaire! Oui, bien sûr, une promesse est une promesse. Navré de vous avoir fait endurer tout ça. Je vais aller dans l'autre salle pour saisir le code et démarrer l'ascenseur. Ensuite, on pourra utiliser la carte d'accès pour descendre au dispensaire. Ok. Bon, bah, en avancée, c'est plutôt rassurant. Les gars. Tout va bien, il est au-dessus de nous. Aucun problème. Ça va, frérot? Là, je vais ramasser mes affaires et nous pouvons partir. Ok. Il fait un peu le bad boy, là, non? Frérot? C'est bien ce que je pensais. Putain, j'ai même pas le... Eh, un clink! Même pas le temps de le... Ah, vache! Ah bah dis donc! Les gars, même pas... J'ai même pas vu ce qui s'est passé. Même pas le temps de cligner des yeux. Il a été embarqué, le ref. Eh ben, hein, vite. Bon. Non. Ah. Yo. Ouais, il a popé juste devant nous, non? Non, ça va? Bah c'est bon. Même la save, elle te met pas bien. Hein. Bande de fils de pute. Pardon. Pardon. Alors ça, c'est cocasse. Je suis pas au bon endroit, là.
On est au bon endroit? Ah, ok. Ça va taser des darons? J'ai l'impression d'avoir des armes de ne rien pouvoir faire avec. C'est quand même incroyable. Est-ce que je peux faire un truc avec le taser au moins? Ok, ce taser il va m'aider. Très bien. Parce que j'en ai marre d'être une... Hein. Ton FOV fait mal aux yeux? Ah, il me fait pas mal aux yeux. Il faut que je vous parle, j'ai un cadavre ici qui fait partie d'une enquête de Marshall. Ok. J'ignore combien de temps les Marshall ont l'intention de le garder ici, mais c'est une situation délicate, je compte sur votre discrétion et faites-moi confiance sur le coup. Franck, vos inquiétudes concernant le verrouillage ont été prises en compte, je vous assure. Cependant, une évacuation est 100% nécessaire, même si ce n'est qu'une mesure temporaire. Ma priorité est la santé des vivants, alors que vous semblez plus soucieux des morts. Si vous avez des craintes en ce qui concerne les fluctuations de courant, la température de la morgue et l'état des cadavres, agissez le système de refroidissement. Et ben voilà. Pardon. Ok. C'était évident. Et ça, je peux pas le prendre. C'était évident. Mais bon. Bonsoir. Bon. Samuels, il y a un docteur Lingard, officier médical supérieur. Si je fouille dans son bureau, je saurai sûrement où trouver ce qu'il me faut. Mais avant, il faut que je rétablisse le courant. Non, il peut pas passer là-dedans. Non, si. Non, vous déconnez. Bonsoir. Donc là, vous êtes en train de me dire que je prends les mêmes conduits que l'alien ? Tellement simple ce jeu. Bonsoir.
d'équipage et leur immatricule d'arrivage. Ok. Une pause s'impose. Have a break, have a Kit Kat. Une amorce. On va pouvoir désamorcer la situation. Allez. Message à l'attention de Lingard, lorsqu'elle reviendra, j'ai fait de mon mieux pour préparer les patients dans la salle de traumatisme en vue de leur évacuation. Ah oui, si on peut m'évacuer. Certificat de décès. Ok, clause du décès, c'est secret. Je peux comprendre. Ok, on va voir. Oh les gars, ici Lingard, officier médical supérieur de Sébastopol. Je voudrais que... Que ce soit bien clair pour les archives. Notez qu'on m'a mise sous la contrainte au sujet du patient zéro qui était infecté. Ransom, le chef d'opération de Sixon. Il a proféré des menaces envers ma carrière et ma formation. Notez bien ça. Mais je vous jure, cette femme avait besoin d'aide. J'ignorais à quelle sorte de parasite j'avais affaire, mais il avait planté quelque chose à l'intérieur d'elle. Je suis tellement navrée. Mais je ne pouvais vraiment pas savoir ce qui allait se passer. Les gars, j'ai oublié de me démuter. Je me suis chié dessus. Voilà, j'ai oublié de démuter. Je me suis chié. Ah, il y a un tamer qui est parti. Voilà, je vous le dis. Il y a un tamer qui est parti. C'était trop violent, j'ai préféré rester muté. Mais oh la vache. J'en ai des frissons, frère. On a loupé le spectacle. Ah bah non, j'ai juste dit « Ah, ta mère !» Et j'ai couru. Voilà, j'ai couru. Donc visuellement, je pense que le spectacle, vous l'avez eu. Oh putain. Ça, c'est pas bien de faire ça. Hein. Des explosions comme ça hein, qui t'arrachent la gueule. Hein. Vous arrivez à tenir là, vous? Ça va? Ça va, vous? Sinon, les études? Ça se passe bien à l'école? Il est là. Il est là. Il est tranquille. Il chill? La chillance? Il a pas l'air de vouloir bouger. Non, il est posé. Hop, il a disparu. Hein. Il a pas disparu.
Bah voilà, le champ est libre. Trouver la carte. Ça aurait été beaucoup trop simple. Laisse-moi save. On va pas tarder à s'arrêter, je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire que ça vous plaise ou non. Marre de toutes ces conneries. Pas venu ici pour ça. Allez. Directive et colonie. Le docteur Morlaix, je me contrefous de ce que vous croyez devoir savoir. Je veux que vous dégarpissiez de San Cristobal sur le champ. Vous savez ce qu'on a installé là? Je suis vraiment navré de ce que ça implique pour les patients qu'on ne peut pas déplacer, mais c'est la seule façon. C'est votre dernier avertissement. Oh là là, non, 2505. Il faut que vous sortiez. Ok, 2505, notez s'il vous plaît. Chef de la colonie, on verrouille. Argument invalide, t'as pas d'argument. Docteur Lingard, ici Ransom. Vous vous souvenez? Votre copain directeur général de Sixon. Lingard. Vous ne passez plus, vous n'appelez plus. On n'est plus potes. Enfin, on n'a pas forcément le temps. Et puis, il faut dire que j'ai beaucoup d'autres amis, dont certains portent l'uniforme. D'ailleurs, l'un d'eux m'a dit que vous aviez contacté le Marshal Waite à propos d'une, disons, intéressante trouvaille. Je veux en savoir plus. Pas de discussion. Ouais, c'est la voix de Matt Damon. Après tout, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous connaissez vraiment bien ce Waite? Pas autant que votre vieil ami. C'est la voix de Matt Damon. Et là, je suis dans Ocean 11, 12, seul sur Mars. J'attends votre appel avec impatience, Doc. What now, Doc? Fermeture des valves. Allez, c'est parti, c'est la fermeture des valves. Oh merde, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah voilà, merci aux clients fidèles. C'est Nels, j'arrive. Oh, l'ambiance est folle par contre du jeu. Il y a un truc que je respecterais vraiment sur ce jeu, je pense, pendant encore beaucoup d'années, c'est l'ambiance. Pardon. C'est un vrai cauchemar ici, ça laisse. Oh, il y a des petites photos, ça va? Oh, dis donc, bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous êtes mort? Oh bah dites donc. Samuels, j'ai les médicaments. Nous sommes à la gare de transit, devant la réception du centre médical. Ripley, nous avons entendu les tirs. Et si on les a entendus, la créature aussi. Les visiteurs sont priés de ne pas fumer. Rapport d'autopsie. C'est sûrement une des premières victimes de ce qu'on appelle l'alien, n'est-ce pas? Parce qu'il me semble qu'il y a un alien qui traîne ici. Turner, on a eu une tuile ici. Vous n'avez pas vu un alien? Bouclez la zone et faites en sorte que personne n'y touche jusqu'à ce que Garcia rapplique avec le légiste. Motus et bouche cousue pour le moment. Pas un mot. Faudrait surtout pas que la station cède à la panique. Et encore une chose, si je découvre qui a balancé à Ransom, je lui ferai bouffer son badge. Il est arrivé comme une fleur, a prétexté les privilèges de Sixon et s'est assis aux premières loges pendant tout ce bordel. C'est un incident grave. J'ai vraiment pas besoin que Ransom vienne compliquer les choses. Waits, terminé. Ok. Thank you.
Pourquoi vous me dites demi-tour? B-Boy, le cocktail? Quel cocktail? Où ça? Hop, une pièce d'identité. Ah, là où on a coupé le feu? Madame? Ouais, mais les gars, sans alcool, les fêtes est plus folle. Ouais, vas-y, je vais chercher le schéma avant. Je sais plus où c'est, alors. Attends, je viens de par là, je me suis chié dessus. Attends. Ensuite, je suis allé là. Et c'était là. C'est là le... Non, c'est pas là. Foutez de ma gueule. Là ? Bon, attendez. Déjà, on va save. Voilà. Déjà, on fait les choses bien. Ah, oui, c'est vrai que ça avait, ça s'est affiché. Bien joué, les gars. Mais attends, si genre je le loupe, je pourrais jamais le réavoir? C'est ça? Pardon. Non, jamais. Ah ouais? Et c'est fort ou pas? Ça a l'air fort, hein, vu ce que ça demande. Hein. Veuillez patienter. Putain, combien de temps, mon rêve? Flemme, je me casse. Non, je vais save et on va s'arrêter là. Ça sera plus simple. Il est mort ? Quoi ? Attends. Ok, bon. Il était mort là, on est d'accord le man, hein. Il a chopé quelqu'un le gars. Ok. Bon bah écoutez, on reprendra On reprendra ici. Non, j'essaye juste là, regardez à côté du schéma. Il y aura juste à reprendre le schéma. On va s'arrêter ici, n'oubliez pas YouTube, le j'aime et le commentaire, c'était très très cool. Encore une très grosse soirée et une très bonne soirée sur Alien. La suite, je vous le donne tout de suite, le chat. D'accord, je vous le donne tout de suite, YouTube ou Twitch. Rendez-vous jeudi. Jeudi pour la suite des petits records Alien, évidemment. Allez, à jeudi YouTube et à jeudi Twitch, évidemment.